Mon souci, je ne sais pas si je suis hors contexte. His concern, he doesn't know if he's out of context. Je voudrais savoir l'agenda politique Green Party a pour les pays qui sont en dehors de l'Europe. So, what will be your policy or politics towards countries we are outside Europe? Spécialement, je voudrais parler de mon pays, Congo, Kinshasa. Especially about the Democratic Republic of Congo. Je ne sais pas si Kathleen est au courant de ce qui se passe actuellement dans mon pays. So he's wondering if you have an idea about what is going on in Congo. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu, qu'est-ce qu'ils prévoient pour c'est le dossier du Congo. And what the Green Party will do for that situation. Okay. So I won't deny, I don't know exactly what's going on in Congo at the moment. And c'est exactement ce qui se passe au Congo pour le moment. But as a parliamentary candidate or as MP, we're here to listen to the concerns of the people that we represent. Par contre, étant que je suis candidate au Parlement, je suis là pour écouter tout ce que les gens vont me dire. And so, if I was successful in being elected, that's definitely a conversation I would like to pick up with you and understand your thoughts and the community's concerns that are in place. Ainsi, s'il arrive qu'elle soit votée pour représenter ces milieux, donc elle reviendra encore chez toi pour avoir plus d'informations au sujet de ce qui se passe au Congo. Okay. Je m'appelle Paulette. Je pense que revenir encore à lui pour demander, nous étant que les revenants de ces contrées-là, nous voyons que c'est un grand retard. Nous voulons seulement vous dire un tout petit peu d'histoire, ce qui se passe chez nous au Congo. So she wanted to highlight what is going on in Congo. Briefly. Je vous demanderai, madame, au retour chez vous à la maison, essayez un peu d'entrer même dans d'autres news, voir ce qui se passe exactement dans mon pays. She would like when you go back home, go to the website to check what is going on in the Democratic Republic of Congo. Bref, dans mon pays, se passe vraiment des choses comme si on était encore dans le 10e siècle. So there are many atrocities going on in Congo, like we are back like 10 centuries. Nous ne sommes pas vraiment entrés au 21e siècle. Nous sommes là-bas, au 10e siècle. So what is going on in Congo could be happening in the 21st century? Parce que au Congo, tous les jours, les hommes sont capités, les femmes violées, les enfants coupés en morceaux, soit les enfants pilés dans des mortiers, et cela tous les jours. Et la communauté internationale a cousu la bouche pour nous défendre. Donc nous sommes seuls. Je pense que avec votre parti, le Green Party, quand vous serez là-bas à la primature, je pense que vous pouvez parler de notre pays. What she said is that in Congo, every single day, women are wet.